retire-la maintenant. Fais-nous voir le miracle. Attends un peu. Puisqu'elle a été sortie une fois, maintenant n'importe qui peut le faire. Allez, vas-y, Kay. Mais c'est toute ta force. Vas-y, arrache la fiston. Il ne faut pas l'aider. Je vais essayer. Moi aussi. Mais l'arracher. Attendez. Arrêtez, ce n'est pas juste. Je trouve qu'on devrait laisser le petit essayer. Oui, il faut le laisser nous prouver ses dires. Vas-y, mon garçon. Opéré par le ciel. Ce garçon est notre roi. Ça alors, par tous les diables. Comment s'appelle-t-il? Moustique. Je veux dire Arthur. Vive le roi Arthur! Longue vie au roi Arthur! Vive le roi Arthur! C'est inouï, je ne peux pas y croire. Oh, pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Oh, je vous en prie, Seigneur. Kay. À genoux devant ton roi. Et c'est ainsi qu'en ces temps reculés, le miracle eut lieu le jour du nouvel an. Et le règne glorieux du roi Arthur commença. Je ne peux pas être roi, Archimède. J'ignore tout à fait comment on dirige un État. Je t'avais dit de ne pas arracher l'épée de l'enclume. Je vais m'enfuir. Voilà ce que je vais faire. Oui, ils n'auront qu'à en chercher un autre. Eh bien, prends la porte de côté, c'est mieux. Et file à l'anglaise. Vive le roi Arthur! Vive le roi Arthur! Il y a une autre issue. Là-bas, les Béchois. Viens vite. On dirait qu'on est cerné, petit. Oh, Archimède, je voudrais que Merlin soit ici. Merlin! Merlin! Oh, vous êtes revenu de Saint-Trope. Oui, me voici revenu de Saint-Trope. Et aussi du 20e siècle. Et vous pouvez m'en croire, j'ai été bien déçu. Ce n'est qu'une atroce pagaille à la casam. En tout cas, moi, je suis dans le pétrin, je suis roi. Oui, il a pu sortir l'épée de l'enclume. Oh, oui, bien sûr, c'est vrai. Le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde. La table ronde? Et tu en préférerais une carrée, peut-être? Oh non, une ronde sera parfaite. petit, tu vas devenir légendaire. On va écrire des tas de bouquins sur toi dans les siècles à venir. Tiens, on fera même des films sur toi. Mais un film, c'est quoi? Eh ben, bien, c'est comme la télévision, mais sans incident technique.